Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je m'apprête à tourner une vidéo qui, en fait, je vous dis ça, mais logiquement, si j'ai réussi à le faire, à la publier, vous l'aurez déjà vu. Donc, c'est une vidéo que, finalement que je ne fais pas habituellement. C'est pas un vlog, c'est pas un haul, c'est pas. Voilà, c'est une vidéo face cam. Et j'espère que je vais réussir à la tourner en tout cas dans les temps et qu'elle soit vraiment comme j'ai envie qu'elle soit en tout cas comme le message passe dans ma tête. Je vous reprends là juste à chaud, je viens de terminer le tournage. Et je m'attendais pas à ça en fait. Ça m'a fait remonter de ces émotions. J'ai pris sur moi pour pas pleurer forcément. Là, il va falloir que je fasse le montage, tout ça. Mais je vais dans un premier temps manger. Ça sera bien. Et il faut que je vous raconte quelque chose concernant ce gars-là qui s'est passé cette nuit. C'est Eric qui m'a raconté. Hier, Eric a fait cuire de la viande. Et c'est une viande qui allait vraiment jusqu'à hier. Donc, il n'a pas pu tout manger et il en restait pas mal. Moi, j'en voulais pas. Du coup, il a jeté l'autre partie de la viande cuite, mais ça représentait au moins 180 grammes, quoi. Et cette nuit, apparemment, ce gars-là qui est là, il l'a tout mangé. Et là, depuis ce matin, il n'en peut plus. Il dort. Mais il dort. Et tu peux pas le réveiller tellement il dort. Et là, nous avons un gros steak. Ah si, on l'a réveillé. C'était bon ton steak? Et c'est vrai que ce matin, au niveau des croquettes, il était très cool. D'habitude, il est au taquet, là. Non. Me suis changée depuis tout à l'heure parce que là, j'ai fini le montage. Et attendez, je vais vous expliquer. On va monter. Depuis hier, on a commencé notre petit programme sportif avec Eric. En fait, on va marcher, c'est de la marche nordique, c'est vraiment hyper intensif, minimum 30 minutes. C'est limite de la petite foulée, sur le même rythme. Enfin, les gens, normalement, ils font avec des bâtons. Et on y va dans les sous-bois, c'est super sympa. La preuve, ça marche très très bien. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais mis mal au dos. Mal partout, là, dans le haut du dos, les bras. J'aurais jamais cru, mais ça fonctionne. Enfin, ça marche parce que tu fais des mouvements comme ça de balancier. Mais ouais, je suis contente. Et on a dit qu'il fallait qu'on s'y tienne et qu'on fasse donc trois, ça c'est sûr, trois fois par semaine. Évidemment, tous les jours, mais faut pas rêver. Ah, bravo! Je vais vous poser là pour vous montrer ma tenue. J'ai mis ça et c'est un legging, un peu comme une jupette legging. Et mes petites baskets que j'ai achetées. J'ai acheté où? Des quatre, je crois. On est arrivé sur un des lieux de notre balade sportive. À chaque fois, on changera de lieu. On les repère d'abord. Et je sais que là, dans ce bois, il y a un parcours de santé. Bon, on va pas le faire, on va continuer à marcher. Hein? Ouais, ça va faire trop. Ouais, on le voit derrière. Vous voyez? On voit le château au fond. Et toujours le blé. Non, c'est du maïs. Ah, à chaque fois je me plante. Maïs, maïs. Attends, j'espère que j'ai pas plus de maïs. Mais si, mais dans ma tête, c'est. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. T'as le look coco. Normalement, c'est pas là, c'est dans le bois carrément. Et elle est où en plein bois? Elle est là-bas, à gauche. On regarde et puis après, on avise. Hein. Là, elle est partie. Et c'est vrai que si le sol est pas terrible, ça a l'air d'aller. Ça va ou pas? Oui, très bien. Non, mais ça aurait pu être. Je crois que c'était un sentier, évidemment. Ça va, je Je vous reprends quand on a fini. On vient de faire un stop. C'était pas prévu. On dirait pas, mais on a marché pas mal. On est dans une forêt, comme je vous avais dit. Regardez sur quoi on tombe. C'est une petite clairière avec derrière le Loir. Parce qu'on ne veut pas rester très longtemps parce qu'on ne veut pas casser le rythme. Hein? On repart. Mais il y a des endroits dans cette forêt, c'est incroyablement défini. Allez, on repart. Je croyais qu'on avait craqué.
vache, ça a monté de ouf là. T'as vu quand t'arrives, c'est beau. Oh. Ah c'est cool, je suis fière de nous là. J'ai pas ma perche. Je suis à bout de bras. Nous voilà, arrivés, on n'a plus qu'à monter dans la voiture. On vient de rentrer. Il est 7h parce qu'en fait on a fait une pause, on est passé boire un petit verre chez ma maman. Et là, voilà. D'habitude il serait au taquet plus. Mais ça c'est son steak qu'il a mangé. J'ai remis ma tenue de cool cool à l'aise. Je suis douchée. Et bah ça fait quoi? Ça fait presque 2 heures que ma vidéo est en ligne. Du coup je regardais un peu tous vos messages, les retours. Et bah ça fait super plaisir parce que bah, vous me mettez en commentaire un petit peu tout ce qui vous est arrivé. Donc je peux regarder tout ça. Et j'ai l'impression que cette vidéo vous a fait du bien aussi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je dis pas que j'en ferai souvent parce qu'il faut avoir des choses à dire. Mais voilà, j'ai voulu tester ce petit format, on va dire, story time. Aussi, quand j'étais chez ma maman, il y avait donc 2 autres personnes de ma famille qui étaient là. C'est pour ça qu'on s'est arrêté. Et bah, on discutait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, parce qu'elle suit... ils suivent, en fait, surtout elle, bien sûr, mes vidéos, mes vlogs, et puis bah, ils me demandaient comment ça allait, si je me lassais pas en fait de ce format, et bah, on a un petit peu parlé de tout ça avec Eric et tout, et c'est vrai que ça me fait une réflexion, parce que les gens s'étonnent, se dire comment tu fais pour ne pas te lasser de vloguer, de montrer ton quotidien H24, et c'est vrai que c'est pas évident, il faut toujours se renouveler, il faut... penser tout le temps en permanence qu'est-ce que je vais pouvoir dire ou montrer d'intéressant demain, ce genre de choses. Donc bah, ça m'a fait réfléchir à pas mal de trucs, mais le format vlog me plaît toujours autant, et surtout je vois qu'il vous plaît toujours autant, parce que faut pas être maso, s'il n'y avait pas d'audience, s'il n'y avait pas de public, j'arrêterais, mais ce n'est pas le cas, si ce n'est que c'est vrai que j'aimerais bien peut-être faire du vlog, mais un petit peu plus ailleurs, ou ne pas tourner en rond tout le temps dans la maison non plus. Je sais pas. Bon bref, de toute façon, quand on fait ce genre de truc, on est H24 en réflexion, tout le temps. Sinon, ce petit sac que j'ai acheté chez Decat, il est pas mal du tout. Hein. Avec, bah, tu mets les boissons et tout, c'est très très pratique. Et, ça va? Tu t'es un petit peu calmé? Hein? Attendez, je vous reprends de face. J'ai très envie d'une pizza. Je crois qu'on va se prendre Domino's ce soir. Ouais, j'ai pas envie de faire de cuisine. Par contre, demain c'est retour des courses. Retour des courses un peu sympas. J'ai envie de prendre un peu plus de salade, des petits poulets. Enfin bref, j'ai envie de refaire un plein de courses qui soit un petit peu plus healthy, comme on dit. Tu vois, le temps Je sais pas, parce que vous êtes quand même un public pour les 3/4 féminin, je sais pas si vous connaissez. Là, il est à fond sur World of Warcraft, mais la version classique qui date d'il y a 15 ans, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et ça fait quelques jours, hein. Et c'est du délire tellement tout le monde attend. Genre, il a des 3-4 heures d'attente. Donc... Ah bah ouais, laisse tomber la télé. Regarde, ça monte 232 minutes, mon pauvre. Je pense que tu vas être obligé de te regarder une série, soit autre chose. Hein. Tu es triste. J'irai pas bosser demain. Bah voilà. Et pizza quand même. Pizza. 2 pizzas et un accompagnement, ou 3 pizzas? 2 et un accompagnement. Ou tu préfères 3, comme ça il en reste pour demain? Non, hein. De toute façon, tu t'en fous. Demain midi, t'en mangeras ou pas, toi? Oui, certainement. Bon, bah alors 3 pizzas. Alors, le retour des pizzas devant un film, c'est le Jason Bourne. C'est, vous savez, c'est plusieurs films comme ça. Ça doit être le dernier, le 4 ou le 5, je crois. C'est de l'espionnage et tout. C'est super sympa, donc je suis bien contente. Puis vu que... il a 4 heures d'attente, c'est beaucoup mieux. Quand je vois la cour, je me dis que j'ai pas fait ce que je voulais faire au niveau de l'aménagement. Puis là, j'ai plus tellement envie, je suis plus trop motivée pour ça. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous laisser là, hein, parce qu'il y a déjà 2 heures de film, il est 20 heures et quelques, donc je pense que je vous reprendrai pas après. Je clôture maintenant et puis bah je vous souhaite une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et puis on se dit à très vite pour un nouveau vlog. Salut !